Perhaps 10 years ago, everybody of us understand that we pay for the occupation of the telecommunication. We pay for a minute. And now it changed to a service, network. Now the telecommunication network is a service. You pay for applications, not for occupation. The same will be came to the logistic chain. You are going to pay for the service, not for the occupation, not for the vessel, not for the container, not for the train. You are going to pay for the service. And to make it, it's very important to have a very strong interchange network of data. We need to interchange network one to other in order to make the better decisions in any point of the logistic chain. This is the reason we are going here presenting this point, the presentation of the working group with Portnet, in order to interchange data one to other, to make better this information, make better the decision, and make better and go one more pass for the service network. Thank you, Mr. Francisco. Monsieur Selim Kouninich, rapidement, juste, on va rentrer un peu plus dans le détail après dans la problématique. Là, peut-être juste un petit commentaire rapide sur votre commentaire sur le sujet en général. Sur l'illustration, j'aimerais bien qu'on puisse afficher l'illustration encore. Très bien. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Pour revenir à ce qui a été dit par Monsieur Amin Harari, la messe est dite, agilité et résilience. Comme l'a bien dit mon collègue Francisco, nous, en tant que compagnie aérienne, nous faisons aussi partie de cette chaîne. C'est-à-dire nous impactons essentiellement, nous sommes bien sûr impactés quand il y a une situation de Covid comme ce qui a été vécu récemment, avec pratiquement 99% de la flotte au sol. Nous impactons directement le supply de tout un royaume, voire de l'Afrique entière, du fait que le réseau cargo de Royal Air Maroc est pratiquement majoritaire sur l'Afrique de l'Ouest en termes de livraison aux clients. L'agilité était le mot d'ordre. Dieu soit loué, nous avions anticipé cette situation. Donc, notre stratégie a démarré bien avant Covid, avec notre partenaire Portnet qu'on tient à remercier aujourd'hui, avec les efforts qui ont été déployés. Donc nous étions prêts pour ne pas rouiller la machine, c'est-à-dire nous vendons du fret à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire les gens viennent transporter leurs marchandises par l'aérien pour une histoire de célérité. C'est-à-dire on ne peut pas se permettre de perdre du temps dans tout ce qui est procédure douanière, de transit ou de sortie de marchandises. Donc ce qui a été entamé en 2018 avec Portnet était salvateur. Donc nous avons pu faire face à cette situation en dématérialisant toute la chaîne documentaire avec la communauté fret aérien, notamment la douane et tous les services d'inspection qui s'y attachent. Et comme tu l'as bien dit, s'il n'y avait pas d'agilité, il y aurait eu encore plus de problèmes. Royal Air Maroc a contribué aussi essentiellement dans la campagne de lutte contre le Covid avec toute l'opération vaccination qui a été une réussite. Et tout ceci n'a pas pu se faire sans la digitalisation. Voilà. Super. Merci. Merci beaucoup. Je parle à Si Hicham Chegal, président de l'OSIM. Un rapide commentaire sur le sujet du jour et éventuellement sur l'illustration que projetée. Merci Amine. Sujet très intéressant, bien sûr, parce qu'on a vécu pendant la pandémie une période très difficile sur laquelle la supply chain était en stress test, on va dire, grandeur nature, et il fallait prendre des décisions rapidement pour pouvoir acheminer des biens et des services. Et donc le digital était un des éléments importants de pouvoir avoir ces éléments-là. Ceux qui ont réussi ce virage du digital au sein des entreprises, ils peuvent le prouver. C'est une augmentation du chiffre d'affaires et de compétitivité, voire même des gains de marché, ce qui est important pour la pérennité des entreprises. Ceux qui ne l'ont pas réussi, ils en ont souffert, et donc tous les effets négatifs derrière. Je rajouterai peut-être deux chiffres par rapport à ce que tu avais cité sur les 50% des entreprises qui n'ont pas encore de plan digital sur la transformation de la supply chain. C'est 78% effectivement des directeurs supply chain
estime que le digital ou la transformation digitale peut être bénéfique pour l'entreprise, ce qui est une bonne chose, c'est un ratio quand même assez important. Et 80% des directeurs supply chain estiment qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires sur le digital, ce qui est aussi un chiffre important à prendre en considération. Par rapport à l'illustration, bah, effectivement, donc, on a le arrobase ou le at de la chaîne qui fait un petit peu la jonction avec tous les sujets. Je pense que ça illustre bien effectivement que le levier du digital est un levier important à prendre en considération par les entreprises qui sont à forte implication sur la supply chain. Super, merci beaucoup, Sécham. Monsieur Mehdi Ktani, président du Maroc Numérique Cluster, la même question. Bref, quelques mots sur le sujet du jour et peut-être sur l'illustration. Oui, bonjour à tous et merci d'être là. Peut-être juste deux secondes pour présenter Maroc Numérique Cluster. C'est un cluster digital qui a vocation à développer l'innovation digitale dans l'ensemble des écosystèmes. Donc effectivement, et je suis ravi ici de représenter Maroc Numérique Cluster sur cet écosystème que représente la supply chain avec ses différents acteurs. Peut-être pour faire un commentaire sur le schéma, je pense qu'il va résumer un petit peu tout. Avant Covid, il n'y avait pas besoin de HAT pour faire de la supply chain. À partir du moment où on s'est tous mis en confinement, il y avait besoin de HAT pour pouvoir faire supply chain. Donc à partir de là, ce qui était le digital, qui était un levier majeur, essentiel pour faire de l'innovation, est devenu non seulement un levier, mais est devenu une obligation, puisque vos clients, alors pendant le confinement, vos clients qui sont internes, externes, B2B, B2C, peu importe, mais ils étaient forcément, complètement, pendant le confinement, impactés par le fait qu'ils pouvaient avoir une interaction avec cette supply chain qu'à travers, à travers le HAT. Alors ça, c'était pendant le confinement. Et puis après le confinement, il a fallu se rendre à l'évidence. On a changé de paradigme. Mais si on était capable de la faire pendant 3 mois, pourquoi on ne le ferait pas sur la suite? C'est tellement plus efficace, tellement plus productif, tellement, avec une tellement meilleure qualité de service. On suit exactement ses colis, ainsi de suite. Donc ce qui était déjà en chemin avant est devenu non seulement une nécessité, mais une obligation pendant le confinement. Et puis après, c'est devenu une évidence. Donc aujourd'hui, on est dans l'évidence que ce HAT, il est effectivement, il casse la chaîne à partir du moment où il n'existe pas. Magnifique. Merci beaucoup, M. Ktani. On prend un dernier commentaire de M. Boris Naguet de Saint-Vulfranc, directeur général de Faber Nouvelle. Et juste après, on va rentrer un peu plus dans l'intimité un peu de nos invités. Monsieur Boris. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je travaille un mot rapide sur Faber Nouvelle, qui est une agence d'innovation présente au Maroc depuis 2020, qui accompagne les grands groupes dans leur transformation numérique. Et du coup, pour me rattacher au sujet du jour, je vais souligner un peu le rôle des acteurs communautaires et donc des guichets uniques. Il y a un framework assez classique qui a été mis en place par l'UNCFACT, qui appartient aux Nations Unies, qui sépare tous les métiers de la supply chain en 3 principaux axes, buy, ship et pay. Et donc on se rend compte aujourd'hui qu'il y a l'apparition de géants, les acteurs du e-commerce, les acteurs du transport, et que les frontières entre ces 3 axes, donc buy, les plateformes de commerce, ship, le transport de marchandises, et pay, le financement de ces transports, eh bien les frontières disparaissent petit à petit. Aujourd'hui, et pour donner un exemple assez simple, avec Amazon, c'est des entreprises qui sont tellement intégrées qu'elles ont au sein de leur entreprise toutes les solutions qui permettent à la fois d'acheminer les colis, de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs, et de proposer des solutions de financement. Donc, je ne vais pas dire s'attaquer, mais en tout cas pour pouvoir répondre à l'apparition de ces géants et proposer aux clients finaux des solutions différentes, on a besoin de ces orchestrateurs de systèmes communautaires, comme les guichets uniques, que ce soit à l'échelle de port, à l'échelle d'aéroport et même à l'échelle de pays, voire même de région, qui vont orchestrer, qui vont pousser la transformation du secteur pour faire avancer le modèle et en œuvrant de manière neutre, faire avancer globalement tout le système et proposer des solutions qui seront incapables d'être faites si chacun des acteurs ne pensait que pour son propre compte. Donc on a besoin de ces guichets uniques et leur rôle est extrêmement important dans la chaîne globale. Super, merci beaucoup à vous tous pour cette introduction. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, notamment pour rentrer un peu plus dans l'intimité de chacune de vos organisations. Et la première question qu'on va adresser ensemble, c'est un peu quels sont un peu les enjeux
supply chain dans votre, pour votre activité dans chacune de vos organisations et comment finalement le digital a pu y répondre. J'aimerais que vous puissiez partager des vrais use cases concrets, qu'on puisse un peu rentrer un peu avec vous dans les enjeux et ce que vous avez apporté comme solution. Donc on fait le tour, je vous reprends Madame Lemzabi. Donc soyons concrets sur vos use cases et sur les enjeux de supply chain de votre orga. Je vais commencer par les enjeux. Donc le premier enjeu pour notre groupe, c'est la satisfaction du client. Donc cette satisfaction du client, je vais me lever parce que je suis plus à l'aise. Donc cette satisfaction du client repose sur un service impeccable. Donc il faut que les produits soient disponibles de manière permanente, qu'ils soient de qualité et au juste prix. Nous voulons aussi développer de nouvelles expériences clients avec la fidélité et le e-commerce. Donc c'est un premier enjeu primordial pour nous. Donc un deuxième enjeu, c'est l'ambition de notre groupe de tripler le chiffre d'affaires en 3 ans, avec un tiers à l'international en Côte d'Ivoire et en France. Donc c'est extrêmement ambitieux. Et troisième enjeu, nous voulons promouvoir le Made in Morocco en exportant les produits marocains dans tous les pays où nous sommes implémentés. Voilà, ce sont nos enjeux. Alors aujourd'hui, nous évoluons dans un monde VUCA. Donc VUCA veut dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Et il ne l'a jamais autant été que ces dernières années, donc avec les crises qui se succèdent, donc le Covid, la crise du transport maritime, la guerre en Ukraine, la pénurie de matières premières et la flambée des prix. Donc ce nouveau monde exige de la performance, exige de l'agilité, on en a déjà parlé, exige de l'anticipation et aussi une excellente gestion des risques. Et donc tout cela requiert forcément de l'information en temps réel. Et seul le digital peut ramener cette information en temps réel. Alors aujourd'hui, donc, au vu de la complexité qu'on gère, nous avons absolument besoin d'avoir une vision end-to-end de la supply chain. Donc tout ce qui est silo mindset, que ce soit au niveau des organisations ou au niveau des systèmes pas intégré et absolument à bannir parce que c'est tout simplement une vraie entrave à l'efficacité. Alors dans ce nouveau monde, nous avons aussi besoin d'avoir une planification avec des délais extrêmement courts et donc il y a un certain nombre de choses qui s'imposent, donc la réduction des délais, l'optimisation des flux, le partage d'informations avec les fournisseurs. Et donc tout cela, donc la vision end-to-end, la planification qui doit être extrêmement courte, ça ne peut se faire que si on a un système informatique intégré qui va accompagner cette supply chain de bout en bout. Alors toujours dans les use cases, donc on a besoin aussi du digital pour établir des prévisions de vente en étudiant les habitudes des consommateurs, le profil des commandes, l'historique des ventes. Et donc avec ces prévisions des ventes, donc on va les coupler à une lecture en temps réel des stocks et un paramétrage de données, donc encore une fois du digital, pour pouvoir avoir de manière automatique, pour générer de manière automatique les approvisionnements, et aussi pour les transmettre de manière automatique et connectée vers les fournisseurs. Alors la seule manière de pouvoir gérer ce qui ne peut être prévu, c'est justement de s'appuyer sur le digital pour pouvoir générer et actualiser de manière extrêmement agile ces prévisions de vente et ces approvisionnements. Donc c'est un premier volet, donc je pourrais citer d'autres exemples. La qualité, donc la qualité est essentielle dans notre métier. Et le digital vraiment change la donne parce qu'on peut avoir de la traçabilité des produits, fraîcheur des aliments, gestion des durées de vie des produits. Donc tout ça, grâce au digital, on peut le faire mieux aujourd'hui qu'hier et mieux demain qu'aujourd'hui. Un autre exemple, c'est le e-commerce. Donc le e-commerce est un vrai challenge pour les entreprises et change complètement le profil. Parce qu'il va tout simplement mettre la supply chain en contact direct avec les clients
parce qu'il va aussi élever le niveau d'exigence. Donc la digitalisation, c'est ce qui permet de ramener cette information en temps réel. C'est ce qui nous permet d'avoir ce suivi optimal et optimisé. C'est ce qui va nous permettre de réagir à ce qu'on ne peut prévoir. Donc la demande ou les ventes qui sont volatiles, les aléas des fournisseurs. C'est ce qui va aussi nous permettre d'anticiper, et l'anticipation est un mot-clé en logistique. C'est ce qui va nous permettre de travailler aussi de manière collaborative entre les différents maillons de la supply chain, et c'est ce qui va également définir le cadencement des activités. Donc toute cette visibilité qu'on va ramener au niveau de la supply chain, c'est ce qui permet d'optimiser les processus et d'avoir des opérations plus efficaces. Et donc les opérations plus efficaces vont faire qu'on va avoir, on va améliorer notre disponibilité des produits, on va diminuer nos stocks, on va réduire les coûts. Alors, quand j'ai parlé tout à l'heure des enjeux, il y a un enjeu que j'ai omis de citer, donc c'est notre politique RSE. Et donc la digitalisation agit directement sur l'environnement, puisqu'on génère moins de papier, moins de déchets, moins de gaz carbonique. Gaz carbonique aussi, parce que la digitalisation permet de travailler sur tout ce qui est tourné des camions, etc. Et donc, on a aussi l'optimisation de CO2. Et donc, la digitalisation agit aussi en faveur de l'environnement et donc s'inscrit parfaitement dans le cadre de la politique RSE d'une entreprise. Donc, voilà. Pour conclure, donc, je dirais que la crise économique et sanitaire a vraiment imposé un vrai virage, parce qu'elle a réellement démontré que la digitalisation, c'est vraiment le seul moyen d'atteindre l'agilité en supply chain. Et l'agilité, on en a besoin pour maintenir les acquis que nous avons aujourd'hui, mais aussi pour continuer à améliorer cette satisfaction du client et puis pour accroître la compétitivité de l'entreprise. Super, merci beaucoup Madame Lemzabi. Ce que j'entends, c'est une grande ambition, il faudra que le digital y participe. On ne peut pas tripler le chiffre d'affaires sans qu'il y ait le mot digital derrière. Merci beaucoup Madame Lemzabi. Je passe toujours dans cette intimité. Royal Air Maroc, Monsieur Salim, la même question. Les enjeux supply chain dans votre organisation et comment le digital peut y répondre. Merci Amine. Donc j'insisterai trois principaux enjeux. Je commencerai par celui qui a été vécu en pleine période de pandémie. Donc, les avions se sont arrêtés de voler, mais leur maintenance a toujours été maintenue. Un avion qui n'est pas maintenu est un avion qui est corrodé, par exemple. Donc, comme vous le savez bien, dans le domaine aéronautique, la gestion de la supply chain, elle est principalement en flux tendu. C'est-à-dire, on n'a pas plus de 50% des stocks au niveau d'une base, Casablanca, par exemple. Et la majorité de ce qui est installé, que ce soit du consommable, du révisable, des équipements, et on va dire shipper au besoin des principales on va dire bases de stockage de par le monde. Ça peut être les États-Unis, l'Europe, l'Asie, ainsi de suite. Et bien sûr, une compagnie comme Royal Air Maroc utilisera sa propre flotte pour transporter du cargo et des pièces pour les faire parvenir au Maroc. Donc le premier enjeu était le re-engineering de la supply chain. Donc principalement, ces pièces étaient transportées sur des avions passagers. Le Covid a frappé, les vols passagers ne se font plus. Il fallait rerouter la majorité de ces pièces sur les lignes to cargo, sur les différentes bases qui existent dans le monde. Bruxelles, New York, Istanbul, Hong Kong, ainsi de suite. Ceci a nécessité bien sûr un travail, on va dire, titanesque et énorme afin de pallier à toutes les contraintes qui ont été les nôtres. Faut dire que aussi que les autorités de régulation et de réglementation ont aidé par, on va dire, une adaptation de la politique de maintenance qui a permis, on va dire, de faire face à ces situations imprévisibles. Donc ça, c'était le premier enjeu. Le deuxième enjeu était de maintenir les denrées et les shipments essentiels au niveau du royaume et, c'est-à-dire, répondre aux contrats qui nous lient à notre clientèle, notamment par le maintien des vols cargo. Donc le NOTAM, c'est-à-dire l'interdiction de vol, n'a pas touché les vols tout cargo. Donc dans ce cadre-là, c'est-à-dire l'anticipation de la politique digitale de la compagnie a permis de maintenir un flux,
même avec une contrainte de main-d'œuvre, on va dire, qui a baissé, c'est-à-dire l'humain a baissé, mais le digital a augmenté. Donc tout ce qui est, on va dire, procédure de facilitation douanière, tout ce qui est déclaration sommaire, bande de livraison, visite, inspection, a été au préalable digitalisé avec Portnet, et nous avons pu faire face à ça. Et bien sûr, d'autres choses sont dans le pipe, notamment la visite coordonnée qui vient d'être lancée le mois de mai avec toute la communauté du fret aérien. Et je finirai par le troisième challenge, et qui n'est pas des moindres, c'est le développement du chiffre d'affaires par le canal digital. Aujourd'hui, un passager, quand il veut prendre un billet d'avion, ben, il se connecte sur une plateforme, sur un site web, et il peut acheter on va dire, son billet sans aucun problème en deux temps, trois mouvements. Ce n'est pas le cas du cargo, parce que dans le cargo, il y a des spécificités, il y a des dimensions, le nombre de poids, le colis, le poids volumique, donc il y a des contraintes. Donc la digitalisation de cet aspect-là, elle a un petit peu tardé par rapport au côté passager. C'est une tendance mondiale. Et au jour d'aujourd'hui, nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir déployer dans le futur proche un e-portal de booking en ligne sur la plateforme et le site cargo de Royal Air Maroc. Ceci permettra bien sûr le développement du chiffre d'affaires et facilitera aussi la vie à notre clientèle dans l'acquisition, on va dire, de tout ce qui est espace cargo sur la flotte Royal Air Maroc. Donc globalement, les challenges ont été divers. Re-engineering de process, facilitation documentaire, développement de chiffre d'affaires, mais le ciment de tout ça était la digitalisation. C'est-à-dire, heureusement que on s'est attelé à le faire avant la pandémie, et le meilleur est à venir. Nous sommes aussi en train de discuter la nouvelle feuille de route avec Siakosi et les équipes pour tout ce qui est développement futur et futur proche. Voilà. Super. Merci, Amine. Merci beaucoup, Salim. Je retiens la digitalisation et le ciment. Hein. Donc, c'est assez fort comme expression, et je te remercie. Tu as tendu la perche, je pense, à Portnet. Donc, je propose qu'on enchaîne avec Youssef Ahouzi, directeur général Portnet. Et ça, la même question. Laissez-nous rentrer un peu dans votre intimité. Portnet, les enjeux et ce que vous avez proposé comme digital. Merci beaucoup. Je pense que, en fait, tout a été dit par Madame et Céline par rapport aux enjeux de la supply chain. En fait, on vit dans un monde complexe. Donc pour piloter un petit peu les opérations, il faut avoir de la visibilité, il faut avoir en fait des systèmes qui permettent en fait de piloter cette complexité et d'avoir en fait une tour de contrôle derrière pour contrôler les flux, contrôler les différentes interactions entre les différents acteurs. Et dans les différents secteurs, il y a une complexification en fait des flux au vu des acteurs en fait multiples de la chaîne. Donc on va prendre juste sur la partie portuaire, par exemple, il y a une multitude d'acteurs qui en fait opèrent dans l'import-export ou le transit, que ce soit les douanes, les organismes de contrôle, le port ou d'autres parties prenantes privées ou publiques qui participent dans toutes les opérations de commerce international. Donc il y a besoin pour les opérateurs économiques d'une visibilité et d'une interface qui va leur permettre en fait d'anticiper sur les différentes actions, les différents événements qui peuvent se passer au passage aux frontières, que ce soit aérien, maritime ou terrestre. Donc, cette tour de contrôle ne peut être faite que par des plateformes en fait communautaires qui vont en fait agréger et en fait permettre l'échange d'informations et de données entre les parties prenantes. Donc ça, c'est à l'échelle en fait qu'on va dire des postes aux frontières, donc à l'échelle des pays. Donc ça, c'est en fait l'objet même du guichet unique, donc pour permettre en fait une dématérialisation des procédures, des formalités, et de permettre aux opérateurs d'avoir une visibilité plus accrue sur les opérations, avec une transparence et avec une fluidification en fait de leur opération. Ce qui va permettre en fait d'anticiper sur les flux et sur l'augmentation des flux qui vont se complexifier de plus en plus, puisque l'économie il est globale, il est international. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en fait l'interopérabilité entre acteurs internationaux, notamment en fait un exportateur. Donc il est de l'autre côté, il a besoin d'avoir des informations ou d'envoyer des informations à son importateur. Donc là, l'interopérabilité, elle est très importante.
pour permettre en fait aux opérateurs d'échanger des informations et des données sur les envois et sur c'est-à-dire leurs opérations. Donc nous avons eu pas mal de projets, d'initiatives à l'international avec plusieurs acteurs, notamment l'Alliance africaine pour le commerce extérieur à travers une plateforme qui a été mise en place pour en fait l'échange d'informations documentaires. Donc c'est une plateforme qui a été mise en place et qui a été lancée cette année. Il y a également en fait des tests pilotes qu'on avons fait avec le port de La Spezia en Italie pour en fait échanger des informations sur des envois de l'Italie vers du port de La Spezia vers le port de Casablanca et du port de Casablanca vers le port de La Spezia avec des données sur un CV électronique pour permettre en fait de rapidement en fait enlever la marchandise sans qu'il y ait de double contrôle à travers la douane ici au Maroc ou les douanes à destination de La Spezia. Et là, on est en train de travailler avec le port de Huelva. On a mis en place un groupe de travail qui va en fait dont l'objectif est de voir en fait la possibilité de permettre une interopérabilité entre nos deux systèmes pour échanger en fait des informations à travers un use case que je laisserai mon collègue en fait du port de Huelva expliquer et qui va donner en fait ces nouvelles en fait c'est des projets que nous menons pour expérimenter des choses, de nouvelles choses sur le commerce international qui vont en fait faire bénéficier aux opérateurs économiques en fait cette interopérabilité, cet échange de données pour leur permettre en fait d'anticiper sur leur opération et de mieux en fait c'est-à-dire cerner et piloter leur chaîne logistique à travers en fait bien sûr le passage aux frontières, que ce soit ici au Maroc ou ailleurs. Très bien, merci beaucoup aussi Youssef. D'ailleurs, on passera tout de suite effectivement pour être encore plus. Tu as évoqué un use case avec Huelva. Mr. Torres, just in a few words, I know that you have some slides that people can. Tell us what are your challenges regarding Huelva port. Maybe you can talk about the use case with that you have with Portnet as well. Okay, thank you very much. As said, Youssef, just before, we are now starting a new project together in order to connect the system of Portnet and the port of Huelva. And our idea is to, okay. It's okay. Okay, better. All right, okay, our idea is to connect the system of the Portnet and Port of Huelva in order to anticipate the processes, have the information before the cargo, and can allow us anticipate how have we to do in any port. This can simplification of the process, anticipate the formations and so on. At the end of the day, the idea is to adapt our processes what cargo needs. Cargo, vessels, containers, services, so on. What cargo needs at the end of the day. We are looking for the better way for the cargo, the cheapest, the fastest, if cargo needs to be faster. At the end of the day, the better. Not only in the cargo that is going to be imported in Spain, the cargo that is imported in Spain and going to other countries like UK or other ones. And we are only a part of that chain, and we have to understand that not any cargo needs the same things. Any cargo needs what any cargo needs. So we have to adapt our idea, our processes to the cargo. And before we have the information, better we can adapt these processes. So this is the first step that we are going to do. This is a business case oriented to a vessel from container ship from Casablanca to Huelva. And after this, go to Madrid, go to Spain or French, or go to UK. Perhaps in this kind of information, we can share the information when the cargo is gone from Casablanca, and
we can adapt in this time, the time of the route, our processes in order to give to the cargo what cargo needs. For example, if we are going to send blueberries for Casablanca to the UK, blueberries will need a cold connection. They are in Huelva, will need to be fast. Will be the synchronization with one vessel to other. Blueberries need to be very, very fast because the life of this cargo is short. So as fast as better for the cargo. So this can allow us to adapt our processes to be the best for this kind of cargo. We have our very ambitious processes there in Huelva. We change all our infrastructure in order to be data oriented. We just change our PMS, our PCS, in order to a new standard called FIWAR that is more to data oriented. So this gives us a very big capacity to interchange data to other organisms like Portnet, and give us a very very important tool to adapt in this kind of information our processes. Our idea is synchronize the processes of the digital, of the information, and the process of the physical. As everybody knows in the supply chain, the physical have a route and the information have other route. And in some point, they have to wait one to other in order to be synchronized. The more important is customs. If customs doesn't have the documentation, the cargo is waiting to cargo. So our idea is to advance the information in order to allow the cargo to not to wait. So this is our idea, and this is the project that we are just starting. Excellent, thank you very much. I think five times, faster. Thank you for this this presentation. On s'est baladé entre terre, mer et air. Et j'ai envie maintenant d'interpeller peut-être nos experts du digital et nos champions du digital pour aller un peu plus loin. Et je commencerai par Monsieur Mehdi Kitiani, président du Maroc Numérique Cluster. J'aimerais qu'on sache, ok, on est pas mal motivé hein, pour aller digital. On a bien compris que le digital était très important pour l'atteinte d'une vision stratégique d'une entreprise. Peut-être un petit mot, si vous voulez rajouter quelques mots, qu'est-ce qu'on gagnerait encore plus à aller vers le digital pour maîtriser une supply chain, mais surtout, quels sont les obstacles, selon vous, qu'on peut rencontrer, et je demanderai après à nos invités de réagir dessus. Quels obstacles et comment les surmonter? Vous l'avez dit, je pense qu'il n'y a plus à convaincre sur le fait que le digital, c'est important, essentiel. En commentant même la chaîne qu'on voyait là, ça paraissait évident. Maintenant, peut-être insister sur trois types d'enjeux qu'on peut avoir et justement qui sont soit des facteurs de succès, donc des obstacles, si on n'arrive pas à les réaliser. Premièrement, et je pense que ça a été dit par plusieurs panélistes, c'est que le digital, c'est d'abord un enjeu business. C'est pas un enjeu d'informaticien, c'est pas un truc technique, c'est d'abord, et monsieur sur Port de Huelva disait, on achète un service, on fabrique un service. Et je pense que la référence Portnet est exemplaire et le discours de Sylvester était remarquable sur, vous l'avez entendu parler, de process, de ce qu'on offre, de facilité, de rapidité. Vous n'avez pas entendu parler de ligne de code et de savoir si c'est Java, .NET ou autre chose. Et donc effectivement, non seulement c'est pas un discours, mais c'est plus une démarche qui est une démarche technique, informatique. C'est quand on parle digital, il faut d'abord parler business, et je pense que c'est essentiel que l'ensemble des acteurs qui portent leurs entreprises, quelles qu'elles soient, de voitures ou d'autres choses, ou de conteneurs, ou de supply chain, tout ce qu'on veut, bah, ils aient en tête que le digital, c'est un service qu'ils achètent, et j'ai besoin de faire ça, et on doit pouvoir me l'offrir. Et c'est, moi, je dirige une entreprise qui s'appelle DXC-CDG, qui fait beaucoup d'offshore, et justement, on fabrique ces services-là, ces services qui permettent de faire de la transformation digitale. Donc, premier enjeu, un enjeu business. Deuxième enjeu, c'est que digital, malheureusement ou heureusement, c'est mondial. Il n'y a pas de frontières. Et donc, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de frontières. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Parce qu'on est obligé de se mettre tous au même standard.
et au même niveau d'exigence. Et donc finalement, je voyais la carte de l'Europe et du Maroc. Si on n'arrive pas à être au même standard que ce que sont capables de faire ceux qui sont à côté, on a un problème. Je pense que, d'ailleurs, encore une fois, désolé de jeter des fleurs à Portnet, mais bon, non seulement ils organisent, mais surtout je pense réellement et sincèrement qu'il y a une vraie démarche de service qui est justement exemplaire et qui a permis de faire que ce succès existe. Et donc, pas de frontières, être obligé d'être au même standard, ça signifie qu'on doit, justement pour être un tout petit peu descendre dans la couche technique pour dire, on doit développer des services digitaux qui sont aux standards internationaux. On ne peut plus se permettre d'avoir des serveurs sous l'escalier, alors là je parle d'infrastructure, mais c'est exactement pareil pour le développement, qui ne sont pas backupés, où on perd ses données, où on n'a plus les mots de passe, où c'est pas en sécurité, on se fait tout piquer. Ça, c'est plus possible. On ne peut plus travailler, être dans le monde d'aujourd'hui sans faire ça. Et ça vient de ça. Ça vient du fait qu'il n'y a pas de frontières et donc c'est standard et donc on peut se faire attaquer. On n'est pas tout seul chez soi à faire ce qu'on veut. Troisième obstacle, c'est le digital. C'est une affaire de compétences, une affaire de talent. C'est un mot que j'aime pas beaucoup, talent, parce que ça supposerait qu'il y a les talents et ceux qui ne sont pas. Donc on est tous des talents. À partir du moment où on dévoile des compétences et on délivre des compétences, on est des talents. Okay, donc c'est des compétences et des talents. Et effectivement, là aussi, il n'y a pas de frontières. Là aussi, c'est la demande est mondiale. Là aussi, la demande est exponentielle. Alors il n'y a pas que la supply chain qui a des problèmes d'approvisionnement. On a aussi des problèmes d'approvisionnement pour avoir des ressources qui font des développements et qui sont capables de fabriquer des services transfo digital. Et donc, ce qu'on dit, en l'occurrence avec Maroc Numérique Cluster et au sein de l'écosystème, c'est formons beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour faire en sorte d'être capable de délivrer les services qui sont attendus de nous. Il faut savoir que le Maroc est une plateforme forte de services digitaux à l'international. On a 10 ou 20 fois plus de gens qui travaillent à l'international que ceux qui travaillent pour le Maroc en tant que tel. C'est une excellente nouvelle, mais ça veut dire simplement qu'il y a une certaine attractivité pour nos ressources à l'international et que donc l'obstacle, c'est d'être capable, c'est pas de ne pas avoir assez de talent, c'est d'être capable justement d'en avoir plus. Super. Merci beaucoup, Siktani. On continue avec les champions du digital, peut-être Sicham Shiger, président OSIM. Alors, je pense que Simedi Kitani a parlé effectivement des sujets qui sont des pains pour pouvoir avancer sur tout un projet de digitalisation. Moi, j'aimerais peut-être donner un exemple. C'est peut-être important parce que comme on a des acteurs dans la supply chain, et si on est dans mer, donc un autre exemple peut-être d'un port qui est le port de Rotterdam, qui sont en collaboration avec IBM aujourd'hui, sont en train de se doter d'une infrastructure qui permet en fait de faire des mesures sur la profondeur des eaux, etc., pour permettre à horizon 2025 de pouvoir abriter ou accueillir des navires connectés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura tous les éléments pendant que ce navire est en route et toute cette data sera déjà en cours d'analyse de telle façon à ce qu'on réduise le temps d'attente et je pense que c'est le plus gros, c'est l'objectif le plus important pour un port. Et sachant que dans ce port-là, le temps d'attente coûte en moyenne 80 000 euros. Vous imaginez un petit peu la perte ou le manque à gagner par rapport à ce sujet-là. Un deuxième sujet aussi relié par rapport à la technologie, c'est qu'on voit de plus en plus de ports qui sont en train de se digitaliser, de s'autonomiser, de se robotiser. Et on voit de plus en plus de camions autonomes à disposition d'un port, comme celui du port du Thaï. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'est en Thaïlande, où ils se sont dotés complètement en fait, de camions autonomes qui permettent en fait, de faire tous les services et d'apporter cette traçabilité, cette disponibilité, et encore une fois, toujours dans un objectif de réduire le délai d'attente et d'offrir un meilleur service. Je donnerai peut-être un troisième et dernier exemple, c'est par rapport à, on n'a pas parlé du secteur ferroviaire,
Mais c'est peut-être aussi important parce que c'est aussi un des moyens d'acheminer de la marchandise. Et je prends un cas d'une compagnie ferroviaire aux États-Unis où ils se sont dotés d'IoT pour pouvoir en fait avoir toute la data en temps réel de toutes les pièces. Ça peut aussi, c'est le cas aussi dans le domaine aérien, etc. Mais pour cette compagnie-là, faire une gestion en temps réel de toutes ces pièces permet de réduire les effets de déraillement, sachant que un accident de train pour cette compagnie lui coûte 40 millions de dollars, avec tous les dégâts, les assurances, les dédommagements, etc. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, la technologie et le digital, il est au service éventuellement de la finalité de la supply chain qui est de livrer un produit sain et conforme. Il ne faut pas l'oublier. Et on a vu aussi la naissance d'une plateforme blockchain sur la partie mer, sur les produits de l'océan, où on trace de la pêche à la table le produit de bout en bout avec la chaîne de froid, etc. Sachant qu'aujourd'hui, bon, c'est une plateforme qui commence à prendre forme, mais selon les études menées, 30% des produits périssables n'atteignent jamais la table. Ça veut dire qu'ils sont juste jetés. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, on a énormément de choses à gagner par rapport à la digitalisation et à la mise en place des technologies et de pouvoir passer d'une notion d'investissement à une notion de service et de pouvoir aussi augmenter le manque à gagner qu'on est en train de le faire en perdant un produit. Bah, on peut tout simplement investir en amont au niveau du digital pour pouvoir en gagner encore plus en termes de diminuer ce taux, on va dire, de déchets ou de pertes. Voilà. Merci beaucoup, Sichem. Peut-être passe à M. Boris. Même question, peut-être des obstacles supplémentaires. Je synthétiserai après tous les obstacles qui ont été cités jusque-là. Oui, eh bien, je ne vais pas relister tous les avantages qui ont été listés jusqu'ici, mais on se rend compte qu'il y en a énormément. Et finalement, ça a un lien avec le premier obstacle, qui est quand on a une supply chain qui n'est pas totalement intégrée et qui travaille avec beaucoup de partenaires, eh bien, si certains vont mettre en avant la rapidité, d'autres vont peut-être mettre en avant la flexibilité que ça apporte. Enfin, chacun va avoir ses propres objectifs pondérés de différentes manières. Et donc, quand on parle de digitalisation, le premier obstacle, c'est d'embarquer l'écosystème. Essayer d'aligner des parties prenantes qui ont des objectifs extrêmement variés sur un cas d'usage concret qui va pouvoir proposer des avantages à tous les acteurs de la chaîne, eh bien, c'est le premier obstacle en fait, d'aligner cet écosystème, de préparer des solutions qui vont être interopérables, de faire un choix de SI qui va pouvoir faire fonctionner les cas d'usage avec chacun des acteurs de la chaîne et surtout de s'assurer que les investissements qui sont nécessaires pour la mise en place de ce cas d'usage sont disponibles sur chacun des acteurs. Donc il y a vraiment cette idée d'alignement et d'embarquement de l'écosystème qui est extrêmement important. Le deuxième obstacle, c'est qu'on n'a pas un modèle. Dans l'industrie, on a vu le Fordisme, ensuite il y a le modèle de Toyota. Et bien aujourd'hui, quand on parle de digitalisation, on n'a pas une marche à suivre, on n'a pas un exemple précis où chacun peut se dire eh bien, c'est vers là que je dois aller et c'est ce modèle précis que je dois développer au sein de mon entreprise. En revanche, ce qui est commun, c'est l'approche itérative, de réfléchir sur des cas d'usage concrets et une fois que ce cas d'usage fonctionne ou qu'on a réussi à le faire améliorer, de le faire passer à l'échelle. Et donc, ce manque de modèle et ces doutes lorsqu'on lance des projets pilotes sur comment passer à un modèle à l'échelle et donc scalable, eh bien c'est un gros problème pour les entreprises puisqu'on est obligé d'avancer dans le flou sans forcément se dire exactement vers où on va et si ça va fonctionner, puisqu'à certains moments on peut déployer plusieurs pilotes avant de trouver le bon projet qui va permettre d'accélérer la transformation de l'entreprise. Et je pense que le dernier enjeu, c'est des enjeux de formation, et qui est un peu en lien avec l'embarquement de l'écosystème. Mais une fois qu'on a aligné les parties prenantes, eh bien, le déploiement opérationnel des nouvelles solutions va toucher énormément de personnes dans l'entreprise. Et si on s'est concentré sur un métier en particulier, eh bien, en fait, quand on va digitaliser ces métiers-là, c'est toutes les entreprises qui vont changer. Si on est capable d'avoir une planification en temps réel de ses besoins, mais que la comptabilité fait encore une planification mensuelle,
modèle, eh bien, on va se heurter à des obstacles et il faut avoir pensé à la transformation des entreprises dans leur globalité. Et donc, insister sur la communication et la formation des personnes pour qu'elles comprennent bien pourquoi est-ce qu'on fait cette transformation et pourquoi c'est si important qu'elles consacrent beaucoup d'efforts à cette transformation qui est très très longue. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup. Je synthétise rapidement un peu ces obstacles parce que je demanderai un peu l'avis de nos autres invités sur le sujet. On a dit que le digital est un enjeu business, donc attention à ne pas oublier que le digital est for the business, donc intégrer bien la vision business avant d'aller vers le digital. Le digital n'a pas de frontières, donc il doit se mettre au standard, donc on ne peut pas aller faire le digital n'importe comment. Le digital est une affaire de compétences, je me retiendrai de dire talent. Donc c'est une affaire de compétences, c'est un écosystème à aligner, il y a cet enjeu qui est fort, un enjeu aussi d'interopérabilité et un besoin de scalabilité et aussi enfin un besoin de former un peu le personnel qui va subir justement cette transformation digitale. Donc j'ai envie de me retourner vers vous, je commençais par vous Madame Lemzebi, qu'est-ce que vous pensez de ces obstacles? Peut-être rajouter peut-être un de plus ou nous dire clairement la belle vie. Est-ce que vous rencontrez ce type d'obstacle ou pas? Donc, je vais parler de trois obstacles. Donc, il y en a au moins un qui a déjà été mentionné. Donc, avec la digitalisation, donc, la supply chain se transforme, les équipes aussi. Donc, il y a de nouveaux modes de fonctionnement qui requièrent de nouvelles compétences, d'où le besoin d'avoir un plan de formation. Mais on ne peut pas réduire cela à un plan de formation uniquement. Il faut vraiment avoir un vrai plan de change management qui va permettre de faire la transition entre l'ancien monde et le nouveau monde et pour faire que cette transition se fasse dans la douceur et non dans la douleur. Donc là, je rejoins entièrement M. Boris donc, quand il parlait d'embarquer les équipes. Oui, il faut avoir travaillé et il faut bien exécuter ce plan de change management pour pouvoir justement embarquer toutes les équipes. Il ne faut pas oublier que dans n'importe quelle entreprise, même si elle est extrêmement digitalisée ou digitale, l'humain reste essentiel et central. Et donc le challenge, c'est vraiment la capacité de l'entreprise et des individus à accueillir le changement et à en faire un vrai levier de transformation et de compétitivité. Premier obstacle. Donc deuxième obstacle. Donc la digitalisation, et ça on l'a vécu et on le vit, ne peut pas être bâtie sur des processus qui ne sont pas très bons. Et donc là, je vous rejoins quand vous parliez de normes et de standards internationaux. Donc effectivement, avant de digitaliser, il faut absolument faire une mise à plat des processus et des organisations avant de démarrer cette digitalisation. Et pour revenir à ce que disait M. Boris aussi, il ne s'agit pas de la supply chain uniquement. Quand on lance un projet de digitalisation de la supply chain, ce n'est pas une affaire de logisticien. C'est un projet qui doit être inscrit dans la stratégie de l'entreprise et tous les acteurs doivent être embarqués parce qu'on a besoin, comme vous l'avez dit, aussi du comptable dans cette histoire-là. Dernier obstacle qui n'a pas été cité pour moi, c'est la qualité de la donnée. Donc on dit garbage in, garbage out. Donc oui, c'est vrai. Avant de se lancer dans la digitalisation ou en parallèle, il faut absolument travailler pour fiabiliser les données, car si on va alimenter notre système informatique ou notre ERP avec des données qui ne sont pas correctes ou qui ne sont pas fiables, ce qu'on va réussir à avoir sera aussi complètement à côté de la plaque. Merci beaucoup, Madame Lemzebi. Non, c'est très. Écoutez, je note tous les obstacles à titre de leçon. Donc, c'est excellent. Merci beaucoup. Cécile, même question. Obstacle, si vous en avez en plus, ce que vous vivez chez Royal Air Maroc. Écoutez, si Amine, je pense que nos experts ont bien résumé la situation. Je suis parfaitement d'accord avec Sylvie Meunier quand il parle que c'est du digital comme affaire de business. Juste colle. Très bien. Comme affaire de business et principalement affaire de business. Parce que à la fin de la journée, nous sommes tous là pour réussir notre mission principale, qui est le développement du chiffre d'affaires et de la satisfaction client. Donc j'encouragerai vivement les 50% des entreprises qui n'ont pas encore démarré, de démarrer très rapidement
et j'encouragerai aussi les 80% des entreprises à investir énormément dans les compétences, et non pas les talents, pour pouvoir réussir cette mission. Ça, c'est par rapport à la partie business. Je rejoins parfaitement aussi Hicham Chiguer sur la partie RSE. Effectivement, les 30% qui sont aujourd'hui jetés à la poubelle et qui n'arrivent pas à l'assiette, c'est aussi un enjeu environnemental. C'est-à-dire, tous en tant qu'entreprise, nous avons une responsabilité RSE. Et effectivement, les outils IoT et tout ce que vous avez décrit, M. Chiguer, répondent parfaitement à la problématique. Vous avez fait le parallèle pour la compagnie ferroviaire. Heureusement, l'aéronautique a démarré très très longtemps, notamment par le dédoublement des systèmes de fonctionnement, parce que vous le savez très bien qu'un arrêt en vol est synonyme d'un crash, et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc nous avons démarré très très longtemps par le dédoublement des systèmes, mais aussi par la communication air-sol, et qui permet, avec des systèmes de prédictivité, d'anticiper les pannes, parce que dans une compagnie aérienne, la similitude par rapport à la belle vie, c'est une rupture de chaîne c'est-à-dire d'aliments au niveau du rack. Pour une compagnie aérienne, c'est la rupture de charge d'un avion, c'est-à-dire un avion qui a un vol programmé, qui a des passagers qui sont déjà à l'aéroport et qui est en panne. Donc si on a une anticipation de la chose par des IoT, nous pouvons anticiper équipement, matériel, ressources humaines pour pallier à la situation dans le temps de transit où un avion arrive pour repartir. Voilà. Très bien. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Super, merci beaucoup, c'est Salim. Si Youssef, peut-être un petit exemple sur Portnet. Quel type d'obstacle vous rencontrez en ce moment pour réussir le digital? En fait, par rapport aux obstacles, moi je pense que un des obstacles, c'est la maturité en fait, le digital des différents en fait, acteurs de la chaîne, notamment les entreprises qui doivent. Comme dit Salim, il faut investir, il faut investir dans le digital, parce que je pense que il y a beaucoup à gagner. Et cette maturité digitale est importante pour pouvoir par la suite bénéficier un peu de ce que se fait à travers un peu les guichets uniques. Donc, ce que en fait, c'est un des points en fait qui nous crée un peu une difficulté, c'est que les grandes entreprises, ils ont la possibilité de mettre en place les systèmes, les process digitalisés pour automatiser toutes les formalités, ne plus ressaisir les informations au niveau des différents systèmes, que ce soit la douane ou que ce soit au niveau de Portnet. Mais les petites entreprises, les moyennes entreprises, il n'y a pas cette possibilité. Et je pense qu'il y a beaucoup à gagner pour accélérer en fait les opérations, améliorer la qualité des données, et bien sûr en fait permettre une interopérabilité en fait entre ces acteurs et les autres acteurs de la chaîne. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, il y a une multitude d'acteurs au niveau de la logistique et de la supply chain, notamment à l'international. On a discuté ce matin, en fait, juste en privé avec le port de Villevoix, il y a en fait une fragmentation d'opérateurs. Au niveau, par exemple, européen, il y a beaucoup de ports économiques et systèmes pour chaque port. Donc c'est un peu difficile, comme a dit notre ami Boris, de passer à l'échelle dans ces expérimentations. Par exemple, ce qu'on veut faire avec le port de Villevoix, on l'a fait avec le port de Gaspésie en plus pour avoir en fait la même chose que ce qui se fait au Maroc, parce que l'expérience marocaine a prouvé que en fait avec avoir un guichet unique national pour l'ensemble des ports, pour l'ensemble des activités, a permis en fait de ressortir des use cases qu'on ne pouvait pas avoir s'il y avait plusieurs acteurs et une fragmentation en fait de la chaîne. Notamment en fait les échanges à l'international, cette interopérabilité régionale ou internationale avec un guichet unique, ça permet en fait c'est plus facile de passer en fait ces expérimentations à l'échelle et de les expérimenter avec plusieurs parties prenantes, parce que le côté business en fait, quand on parle avec la douane, quand on leur dit voilà, il y a un process qu'on peut mettre avec un port, mais c'est uniquement avec un port, c'est pas possible pour eux, parce que la procédure doit être la même pour tous les acteurs. Donc ça, c'est un point qui peut être bloquant par rapport à ces process, sur lesquels je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se fait ailleurs pour en fait
mettre en place en fait des plateformes qui permettent de rendre interopérables en fait les systèmes en fait portuaires en Europe et en Afrique également. Donc ça c'est le deuxième obstacle. En fait cette fragmentation également il se voit également dans les acteurs. Donc quand on voit les banques par exemple sur tout ce qui est trade finance par exemple. Quand on parle, par exemple, il faut connecter un petit peu les process. Il y a un process qui va venir et je pense que l'avenir va être dans un avenir proche, c'est le e-bill of lading, c'est les connaissements électroniques. Donc je pense que tous les carrières, tous les compagnies en fait maritimes, que ce soit MSC, Maersk ou autres, sont en train d'expérimenter en fait des nouvelles façons d'échanger en fait ces connaissements à travers en fait de la blockchain. Donc c'est quelque chose qui va venir. Il faut se préparer et à travers en fait des systèmes communautaires tels que les PCS, les guichets uniques, ça permet de faciliter en fait l'échange de ces informations, de ces nouveaux en fait documents électroniques entre les différents acteurs pour permettre que ce soit pour les importateurs d'avoir ces documents plus rapidement. Ça prend maintenant entre 7 et 10 jours pour les recevoir par voie, soit par DHL ou UPS ou autre. Maintenant, on peut les recevoir instantanément. Ça peut être partagé avec tous les organismes de contrôle et les douanes pour faciliter en fait toute la procédure en fait de dédouanement et de contrôle. Et également avec la banque pour réaliser les paiements à l'international. Donc c'est quelque chose qui va venir. C'est question de temps. C'est expérimenté partout. Maintenant, en fait, nous aussi au Maroc, au niveau de, c'est-à-dire au niveau des dispositifs qui a été mis en place à travers Portnet, à travers cette plateforme communautaire, on est prêt à aller de l'avant dans ce process et avoir cette expérience en fait 100% digitale à l'international. Donc c'est ça un peu l'ambition. Ça c'est d'une part. D'autre part, comme j'ai dit, c'est la maturité en fait digitale de nos opérateurs à travers les outils qu'on met en place pour les opérateurs économiques. Donc que ce soit des ERP communautaires qu'on est en train de développer avec notre communauté et qui vont permettre en fait à ces opérateurs de bénéficier plus de façon plus importante en fait des services qu'offre la communauté à travers cette plateforme. Très bien. Merci Monsieur Youssef. On va prendre un dernier challenge, Mr. Torres. We have listed many challenges regarding how to succeed, what can prevent digital for success. So maybe one or two big barriers to digital in Atuelva. Okay. The first challenge, I think, is the better system that will optimize any kind of processes have a fail. The more common fail is the data quality. So it's data very, quality. Very important to have a good data. Without data, nothing more. Okay, so it's very important to share data. Most of companies have the idea that I will optimize my processes, I will optimize my integration with other one, but I don't want to share my data because it's confidential. Okay, you will not optimize anything. You have to understand that without data, there is no digitalization. So it is very, very important to be focused in data. So this is the reason that we are going to share data, and this is, for me, the key point. Understand that the data quality is the most important thing in digitalization. Thank you very much. Thank you very much. On va finir avec, c'est la dernière question, et on va finir avec une question un peu de rêve. C'est un peu, j'ai envie de poser les questions un peu à nos champions digitaux sur quelles sont les tendances. Si jamais on a déjà commencé à sortir certains, on a parlé de blockchain, donc j'aimerais qu'on continue un peu quelle pourrait être la supply chain de demain. Bien sûr, en utilisant un peu les différentes technologies disruptives qui existent aujourd'hui. Je commence par vous, Monsieur Boris. Quelles sont tout simplement les tendances à venir sur la supply chain? Alors, vaste question. Je séparerai deux cas. Parce que
on peut imaginer quel est le futur dans le monde et être un peu terre à terre et imaginer quel est le futur au Maroc pour rester dans un environ de 5 ans et pas forcément se projeter dans 20 prochaines années. Donc dans le monde aujourd'hui, il y a des acteurs de la logistique qui, grâce à l'intelligence artificielle, je vais encore citer Amazon, et c'est pas forcément pour leur faire de la pub, mais c'est vrai que difficile de ne pas constater leur avance aujourd'hui, sont capables d'expédier des marchandises avant qu'elles soient achetées par les clients parce qu'ils ont un système breveté qui leur permet d'anticiper les commandes et donc de livrer le client encore plus rapidement puisqu'ils ont commencé l'expédition avant même que le client ait acheté le produit. On a même Carrefour qui est capable de le faire aujourd'hui avec des systèmes de machine learning et de mieux anticiper des potentielles ruptures sur leur chaîne. Deux autres tendances mondiales sur lesquelles je vais passer rapidement, c'est les camions sans chauffeur. On en a pas mal parlé il y a quelques années et finalement depuis le Covid en fait, c'est quelque chose dont on parle plus vraiment, mais il y a des acteurs, et je pense cette fois-ci à Uber, qui investissent énormément d'argent pour que aux États-Unis où c'est plus simple, des camions sans chauffeur puissent complètement changer la face de leur supply chain. Et la troisième innovation, c'est l'IoT. Et je vais reciter un acteur français, Decathlon aujourd'hui, sur l'ensemble des produits que vous pouvez trouver dans leur boutique, possède des petites puces RFID qui leur ont permis sur l'approvisionnement de savoir exactement où elles sont et donc d'accumuler plus de données et même de satisfaire mieux le client puisque le passage en caisse est plus rapide et c'est plus simple pour le client d'obtenir des informations sur les produits. Donc là, on est quand même sur des innovations qui, je ne vais pas forcément vous spoiler, mais ne vont pas apparaître très largement au Maroc dans les deux prochaines années. Et donc pour moi, la principale innovation sur laquelle il va falloir tabler au Maroc, c'est les API. On en a déjà parlé. Alors je vais vous expliquer rapidement ce que c'est les API. On en a déjà parlé dans le cadre des rencontres du digital. C'est un acronyme qui veut dire Application Programming Interface, qui est en fait une interface qui va pouvoir faire communiquer deux systèmes informatiques très facilement. Avec des protocoles standards pour faire écho aux problématiques qui avaient déjà été données. Aujourd'hui, si vous vous connectez sur la plateforme du port d'Anvers, eh bien vous avez le catalogue de toutes les API, donc de toutes les interfaces sur lesquelles vous allez pouvoir vous connecter pour récupérer des informations. Et donc, vous n'avez pas besoin de créer des échanges ponctuels avec les personnes avec qui vous allez vous connecter. Vous ne voyez sur un site internet qu'une documentation très précise qui va vous permettre de récupérer des informations sur l'ensemble de votre supply chain en payant ces services-là. Et donc, ça va être très important pour les entreprises marocaines de développer des systèmes d'information et de développer ces API qui vont multiplier les connexions avec les différents membres de l'écosystème. Et donc, c'est vraiment cette question d'interopérabilité qui sera répondue par la multiplication de ces API. Super, merci beaucoup, M. Boris. M. Kitani, peut-être votre avis sur ces tendances ? Oui, en fait, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'il y a un futur qui fait rêver. Moi, je vais peut-être parler du futur qui fait peut-être un peu moins rêver, mais qui est le futur qu'on doit traiter. Là. Et typiquement, on a parlé de maturité. On peut parler aussi de fracture numérique, de fracture digitale. Maintenant, on parle plus de digital que de numérique. Je pense que l'enjeu pour nous, au Maroc, c'est de faire en sorte d'accompagner l'ensemble des acteurs économiques pour faire en sorte qu'ils puissent atteindre la maturité que l'on souhaite. On a parlé de standards internationaux, qu'on puisse entrer là-dedans. Et on a dit digital, c'est de l'investissement. On ne peut pas, quand on est une PME, une TPE, investir à la même hauteur que quand on est une grande chaîne de supermarchés, par exemple, alors même qu'on a besoin d'expédier, alors même qu'on a besoin de commercer avec ses clients. Donc, il y a absolument besoin d'avoir un effort immense en termes de politique publique qui va permettre de faire évoluer l'ensemble de l'écosystème du bas de la taille, mais tout aussi important, du bas de la taille des entreprises pour faire en sorte qu'elles s'intègrent. Encore une fois, je redis que des démarches de type guichet unique, des démarches de mutualisation sont exemplaires parce qu'elles permettent de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit grand ou petit, on arrive, je pense, à commercer. Il n'y a pas besoin d'être grand pour pouvoir le faire. Les prix sont attractifs, ainsi de suite. De la même façon, il faut qu'en termes d'infrastructure, là on parlait d'infrastructure logicielle, mais même en termes d'infrastructure sur Internet, qu'on puisse commercer depuis partout, au Maroc, que ce soit Rachidia, Zheliga, ou Rabat ou Akaza, qu'on puisse faire, parce que le digital, c'est aussi un outil d'aménagement du territoire qui est magnifique, il faut s'en servir, donc les TPE, les PME, l'infrastructure, l'aménagement du territoire. Et puis le deuxième enjeu qui est assez lié au premier, enfin, on en a parlé, c'est... On a dit data, et
et comment on partage la donnée. Et la donnée, c'est la matière première de ce qu'on est en train de se dire. On parle, on dit des choses les uns les autres. Et donc cette donnée, le futur du Maroc, c'est d'abord qu'on arrive à être en confiance avec. Aujourd'hui, on y est, il y a CNDP, il y a tout un tas d'autorités de régulation, une autorité de régulation en particulier, qui permet de faire en sorte de créer la confiance. Il faut absolument qu'on embarque l'ensemble des acteurs économiques dans cette confiance-là. Si on n'y arrive pas, eh ben, on reste un peu scotché là où on est et on n'arrive pas à faire progresser. Donc voilà, sans vouloir être long, je pense qu'il y a deux enjeux majeurs du futur pour nous maintenant. C'est faire en sorte qu'on soit en confiance avec les données sur lesquelles on travaille, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à travailler dessus. Et puis, il faut absolument qu'on ait des investissements forts, aussi publics, pour permettre justement de faire ensemble que l'ensemble de l'écosystème monte. Merci beaucoup, M. Khtani. D'ailleurs, par rapport à ce qu'a dit M. Boris et vous, donc API, il faut avoir aussi de la confiance de la data. Donc, c'est pas mal. Le mot data revient pas mal. Si, j'aime peut-être un dernier commentaire. Je sais que vous en avez cité pas mal tout à l'heure. Oui, bon, je vais pas les redire, mais l'idée, c'est que Il faut savoir qu'aujourd'hui, la compétition, elle ne se fait pas entre les entreprises, elle se fait entre les supply chains en elles-mêmes, sur le terrain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, toujours garder en tête que avoir une supply chain performante, c'est pour servir le consommateur, in fine. Et donc, du coup, toujours se poser la question, quels sont les objectifs du consommateur? C'est la rapidité, on a eu le cas d'Amazon, l'objectif d'Amazon, c'est de livrer le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Donc l'enjeu derrière, bon, il y a tout un dispositif qu'il faut mettre derrière, mais pour le Maroc, ce que je peux rajouter, c'est qu'il va falloir déjà qu'on arrive à avoir de la data, parce qu'aujourd'hui, on ne les a pas. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, on commence à parler des chiffres de l'étranger. Donc déjà, on a un gros problème déjà de pouvoir avoir de la data au niveau du Maroc. Donc, je pense que, et j'invite peut-être les acteurs du secteur à pouvoir peut-être travailler. L'OSIM aussi est disposé à pouvoir lancer un livre blanc dans ce sens-là par rapport au secteur pour pouvoir commencer à enquêter et commencer à sortir des chiffres dans ce sens-là. Si on n'a pas de chiffres, si on n'a pas de benchmark, on saura pas, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas où est-ce qu'on est situé réellement. Donc, du coup, je pense que c'est une étape importante. À pouvoir déjà faire un état des lieux, regarder qu'est-ce qui se fait, comment ça se passe ailleurs, comment on est benchmarké, et après définir une feuille de route dans ce sens-là pour pouvoir avancer. Deuxième élément que je pourrais dire, c'est qu'il faudra que les différents acteurs aussi du secteur puissent travailler ensemble. Il y a de la concurrence sur le marché, certes, mais il ne faut pas avoir de la concurrence sur comment on va pouvoir travailler avec... on va dire ensemble pour pouvoir aussi aller vers le gouvernement et aller négocier un certain nombre de choses qui sont importantes. Un des éléments aussi, on en a parlé peut-être l'année dernière, c'était l'actualité, c'est la décarbonation. Aujourd'hui, l'empreinte carbone, elle est très importante à intégrer dans une stratégie, que ce soit du pays, mais aussi à l'échelle de l'entreprise. Si on oublie ça, ça veut dire qu'il y aura forcément un problème quelque part pour la pérennisation de l'entreprise. Et il ne faut pas oublier qu'un autre chiffre, 75% des systèmes supply chain, les supply chain polluent à hauteur de 75%. Donc c'est un chiffre qui est quand même très important. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a un état des lieux du Maroc par rapport à ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si on l'a, c'est tant mieux. Mais si on ne l'a pas, il faudra commencer à travailler. Parce qu'il y a des normes, il y a des nouvelles réglementations ailleurs. Et aujourd'hui, on travaille pas seulement entre Marocains, mais on travaille à l'international. Et on a besoin en fait, de travailler ensemble pour pouvoir avancer. Voilà. Super, merci beaucoup CHM pour ce call to action. Effectivement, la data, on ne l'a pas. Donc, il y a un vrai appel effectivement, à ce que les entreprises puissent partager les data qui sont partageables. Car finalement, l'innovation et les tendances sont là, on les voit. Moi, j'aime bien l'exemple du Minority Report. Je ne sais pas si vous connaissez le film, où notamment Amazon s'est livré avant même que le client commande. Donc, peut-être, du coup, j'aimerais avoir rapidement votre avis, hein, vous qui tenez un peu, j'ai envie de dire, le business. Je commencerai par vous, Madame Lamzebi. Qu'est-ce que vous pensez peut-être de ces tendances-là? Mais surtout, comment vous faites chez vous à la Belle Vie? Est-ce que vous l'envisagez ou c'est pas pour tout de suite? Alors,
La data science, c'est vraiment la clé de voûte d'une entreprise plus connectée et d'une entreprise ou d'une supply chain collaborative. Donc, si on prend le cas du e-commerce, par exemple, donc le e-commerce requiert d'avoir une fiabilité des stocks. C'est vrai aussi dans le commerce traditionnel, mais j'ai expliqué tout à l'heure qu'avec le e-commerce, vraiment le niveau d'exigence augmente. Et donc, grâce à la big data et à l'analyse prédictive, on est capable, dans le cadre du e-commerce, de calculer ce qu'on appelle l'ATP, donc Available to Promise, c'est-à-dire de simuler le niveau de stock qu'on va avoir au moment où on va préparer la commande. Donc, un client qui passe sa commande sur Internet à 8 heures du matin et qui souhaite être livré à 8 heures du soir, le stock à 8 heures du matin n'est pas le stock qu'on va avoir à 8 heures du soir. Donc, il faut être en mesure de faire cette simulation. Donc, effectivement, toute cette tendance et ces nouvelles technologies dont on entend parler aujourd'hui, c'est ce qui va façonner la supply chain de demain. Et pour en revenir à la belle vie, donc nous avons en ce moment un gros projet de transformation digitale de l'entreprise. C'est un projet qui ne concerne pas la supply chain uniquement, parce que nous pensons vraiment qu'il faut être complètement holistique sur le sujet. La digitalisation de la supply chain est un projet d'entreprise qui doit être inscrit dans la stratégie de l'entreprise, parce que les processus sont tout simplement transverses au niveau de toutes les fonctions. Donc, ils doivent forcément être coordonnés, ils doivent être connectés pour avoir cette collaboration au niveau de toute la chaîne. Donc, ce projet de transformation digitale que nous avons aujourd'hui, donc c'est un projet qui est crucial pour nous, parce que c'est ce qui va nous permettre d'atteindre notre ambition de tripler le chiffre d'affaires. Et c'est ce projet de transformation digitale qui va nous permettre d'apprivoiser la complexité inhérente donc à cette croissance phénoménale que nous allons avoir dans les prochaines années, Charles. Ouais, et c'est ce qui va nous permettre aussi de continuer à améliorer la satisfaction du client. Donc oui, c'est crucial. Très bien, merci beaucoup. Cécile, que fait Royal Air Maroc pour être dans les innovations? Écoutez, déjà, ce qui a été cité, notamment les API, nous sommes familiers avec la technologie et nous travaillons beaucoup du fait qu'une compagnie aérienne est une multitude de systèmes d'information très complexes et il faut bien que ces systèmes se parlent entre eux. Donc l'API est une excellente solution technique qui permet de, on va dire, le transvasement d'informations, business intelligence, le BI et toutes les analyses qui s'en suivent. Ça, c'est pour la partie BI. Pour la partie data, donc je rejoins parfaitement ce qui a été dit par M. Francisco concernant le partage de data. Il ne faut pas avoir peur de partager la data. Pardon, il ne faut pas avoir peur de partager la data parce qu'il y a des normes qui réglementent tout ça, les NDA qui peuvent être signées. Et c'est un gage de protection de data. Et généralement, les compagnies, on va dire, qui sont dans le domaine sont des compagnies responsables. Et le partage de data, effectivement, permet, avec des études de prédiction, de savoir et même de s'étonner de découvertes par rapport au fonctionnement de la clientèle, notamment par tout ce qu'on peut capter aujourd'hui comme information sur les sites internet, sur les applications de vente, ainsi de suite. C'est quelque chose qui nous parle beaucoup chez Royal Air Maroc. Je pense que tout le monde a suivi l'Open Innovation qui est en cours au niveau de la compagnie. C'est un projet qui est, très prometteur, avec un roadshow qui a sillonné le monde, donc entre Singapour, la Silicon Valley, Genève et Ben Gurion au Maroc, en collaboration avec l'UMP6. Je pense que en termes d'innovation, il y a de belles choses qui arrivent. Voilà. Super, merci beaucoup, c'est Salim. Si Youssef Ahouzi, tu as parlé tout à l'heure de blockchain. Okay. Tu peux continuer à en parler un peu plus, si tu veux. D'accord. En fait, il n'y a pas que la blockchain. En fait, la première, je pense, le nerf de la guerre, c'est la donnée déjà. Je pense, s'il n'y a pas une donnée de qualité, déjà, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'interopérabilité, on ne va pas aller très loin. Parce qu'il faut, en fait, dans le monde, comme il est connecté, on doit pouvoir également, en fait, même les données doivent pouvoir être
doivent être connectés entre eux. Donc c'est ça un peu l'idée. Donc la donnée est très importante. Nous, depuis un certain moment, on travaille avec toute la communauté déjà pour rendre un peu par rapport aux chiffres, aux indicateurs, par rapport à un certain nombre d'indicateurs en fait de la place, que ce soit pour les importateurs, les acteurs de la logistique, que ce soit le port, que ce soit les banques, leur rendre un peu des informations qui leur permettent en fait de piloter leurs activités à travers cette plateforme-là. Donc on essaie un peu de travailler avec eux sur ces sujets pour bien sûr en fait leur permettre, parce que c'est eux le business, d'avoir plus de visibilité de ce qui se passe réellement dans le terrain. Donc la donnée est vraiment très importante, la qualité de données est vraiment cruciale pour en fait pouvoir l'utiliser dans les procédures et les process de tous les acteurs. L'interopérabilité elle est importante, donc il faut avoir des standards. Les API c'est une réponse assez standard puisque utilise en fait le standard en fait reste ou on va dire du web en fait pour permettre en fait une interconnexion entre les systèmes et bien sûr également en fait la facilité aux différents acteurs de se connecter entre eux à travers en fait des portails en fait développeurs très simples avec des bacs à sable avec un certain nombre d'outils qui vont permettre en fait à tous les acteurs de s'interfacer, de s'interconnecter rapidement. Donc ça c'est par rapport aux API. Il y a la partie data science bien sûr pour la prédiction. Il faut avoir des données pour le faire, il faut avoir des données de qualité pour le faire. Et nous au travers en fait pas mal d'initiatives, on essaie d'explorer un petit peu ce qu'on a pour pouvoir donner en fait également des indicateurs sur la prédiction. Que ce soit sur les délais, que ce soit sur les coûts en fait, donc par rapport à ces questions. Sur la blockchain, j'ai évoqué tout à l'heure en fait le bill of lading, donc le connaissement en fait électronique. Donc c'est quelque chose qui va venir. Donc tous les acteurs, tous les grands carriers en fait maritimes sont en train de travailler là-dessus pour switcher vers le connaissement électronique. C'est quelque chose qui va venir. Il faut être prêt pour le faire parce que le commerce, plus de 90% ou 80% du commerce est maritime. Donc il faut être prêt pour ces innovations. Pas prêt uniquement au niveau de technologique, mais également des process et des procédures, que ce soit au niveau des douanes, au niveau des organismes de contrôle, au niveau des banques, au niveau de tous les acteurs. Donc c'est quelque chose d'important, il faut bien apprivoiser un petit peu l'avenir par rapport à ces questions. Bien sûr, il y a d'autres technologies, en fait, on va dire un peu comme l'IoT. C'est quelque chose de vraiment très important, notamment dans les ports. Donc avec l'Agence nationale des ports, on travaille sur plusieurs initiatives, notamment le Smart Port, où il y a question en fait d'utilisation de beaucoup d'IoT pour en fait avoir des informations, que ce soit sur le port lui-même ou sur les flux qui passent par le port, et pour avoir en fait de façon non intrusive des informations et des données qui peuvent aider les opérateurs à mieux piloter leurs opérations au niveau de ces postes frontières. Très bien, merci Youssef. Dernière peut-être prise de parole sur ce sujet, Monsieur Torres. How do you deal with innovation at Huelva Port? We talk about smart port just now. Okay, thank you. Well, just a few years ago, we started a very ambitious process called RAPID, a route to a port interconnected and digital, and we are just now implementing the first ideas of this route. As I want to see it, we are not going to use technology for technology. Technology is only a tool for make better our processes. So the first step of this process, of this route, was to understand what we need. We spent more or less 1 year asking for everyone, asking for all the agencies, all the headhunters, in order to understand what we need. After this, we select the better technology for each processes, for each issue. And our idea was
a very complex platform with more than 43 different blocks. Each block has a different technology, and all the blocks can tell one to other with one orchestrator. One block is that is going to pass in the information to one to other. And these kind of blocks allow us adapt our processes, our different what we want to do to the better technology. We have more, as I said, 43 technologies integrated in one platform. Just now we are developing this. This will be, as I want to say, just Joseph said at the first beginning, the PCS or the PMS, we are developing a PMS and PCS over an IoT system, and that can integrate it all these kind of technologies. This is our step, that's what we are doing just now. All right, thank you, Mr. Torres, and merci à vous tous pour vos différents témoignages. On est dans les temps, on va prendre quelques questions peut-être de la salle. Allons-y. Hicham Bourhnif, directeur général du cabinet Aigle Bleu. Ma question s'adresse directement à Madame Zabi. Vous faites partie d'un groupe très dynamique, l'un des acteurs majeurs du développement au Maroc. On a vu quelques mois un revirement stratégique très positif du groupe. Vous vous déployez en France, en Afrique. Vous vous lancez dans l'agro-industrie avec le chocolat. Nous aimons ce que vous faites, donc ça nous intéresse beaucoup, tous les acteurs économiques et privés et publics. En parallèle, vous avez Margin, une Margin qui a anticipé il y a quelques années sur tout ce qui est digital, une refonte stratégique digitale, et ce n'est qu'un début. Nous sommes en train de vivre les derniers jours pour le lancement de l'Amazon africain, Wassal. Et puis, il y a une actualité BIM avec des fonds d'investissement british. Vous avez parlé de transformation digitale, donc on vous remercie. Moi, je pense personnellement que la transformation digitale, vous l'avez déjà faite. Elle existe déjà dans votre groupe, comme vous êtes un groupe important. Est-ce que votre groupe prévoit une vraie stratégie d'un changement radical sur le digital en ce qui concerne logistique, commerce, etc., pour être un peu au niveau des attentes de la charte d'investissement, de tiers privés, et puis être suivre les compétiteurs les plus près que j'ai nommés tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre question. Oui, nous avons un certain nombre de systèmes aujourd'hui qui existent déjà. Donc nous sommes partiellement digitalisés, mais on ne l'est jamais suffisamment. Et nous avons vraiment un gros projet de transformation digitale. Aujourd'hui, nous avons une centaine de personnes qui travaillent full-time sur le sujet, entre ressources propres et consultants. Et je n'inclus même pas dans ce chiffre les sociétés sous-traitantes d'informatique. Donc, juste effectif, la belle vie plus consultant, on est à 100 personnes déjà aujourd'hui. Et on va encore rajouter, parce qu'on n'a pas encore lancé justement dans toute. On n'est pas encore à plein régime, donc il va y avoir encore des choses qui vont être lancées dans le futur. Donc cet effectif est encore amené à grandir. Donc la taille de l'effectif qu'on a aujourd'hui sur le sujet montre un peu à quel point on y croit, à quel point on pense que c'est crucial pour notre avenir. Donc j'ai parlé du chiffre d'affaires et donc de notre ambition de tripler en 3 ans. C'est extrêmement ambitieux et ça ne peut pas se faire sans le digital. Je n'ai pas parlé d'autres sujets comme les parts de marché. Donc en termes de parts de marché aussi, on est en train d'exploser. On est déjà leader sur une partie du secteur et pas encore sur l'autre. Et voilà, donc par rapport aussi aux parts de marché, les ambitions, elles sont énormes.
Bon, c'est... Ben, merci beaucoup. Vous pouvez peut-être juste... Ouais, ça va ? Super. Je pense que j'ai dit l'essentiel. J'espère que j'ai répondu à votre question. D'autres questions ? Yes. Je pense qu'il y a, un micro qui arrive. Monsieur ? J'ai une question par rapport à la digitalisation. Ça permet donc de fluidifier la circulation des biens et de l'information. Mais quelle est la place réelle du flux tendu dans la politique de mise en place de la digitalisation ? Le flux tendu et le digital. Qui prend ? Moi, je pense que pour mieux anticiper sur les flux tendus, il y a un besoin réel d'anticipation sur l'information. Donc, il faut avoir toutes les informations, toutes les données sur les envois, c'est-à-dire par anticipation. Sinon. On peut pas, à l'arrivée de la marchandise, démarrer en fait les procédures pour réellement en fait pouvoir réaliser des opérations en fait, que ce soit administratives, douanières ou autres. Donc pour moi, le digital, c'est quelque chose vraiment qui répond à ces besoins de flux tendu. Donc ça permet également une agilité, une anticipation de l'information et des données sur les envois sur le commerce, et ça répond à ce besoin de en fait d'avoir ce flux tendu en fait de marchandises. Donc il faut que, par exemple, une entreprise, un industriel qui est en train de transformer une matière ou de transformer des pièces ou de monter en fait un produit à travers en fait des pièces qu'il va recevoir à l'international, parce que l'industrie en fait on le perçoit pas, mais chaque produit qu'on est en train d'assembler ou de vendre n'est pas en fait produit dans un pays, mais il est produit partout dans le monde. Il faut avoir tous les pièces. Notre ERP